Salut tout le monde, c'est Cosmo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de proposer sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez l'habitude de voir des remix pas terribles, si je prends ma musique je fais ça, enfin bref. Aujourd'hui, ce soir plutôt, je lance un vlog, enfin je fais ça, donc ne vous étonnez pas si ce n'est pas terrible, voilà. Avec une gentille dame, une caméraman déception je dirais. Donc je sais pas si elle voudrait retourner la caméra à partir de maintenant. Plus tard vous la verrez dans tous les cas. Donc... Alors, c'est peut-être un jour sa chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube. Mais moi. À toi. Mais oui, moi. Ah, bah écoute, qui c'est? Qui c'est? Et pas qui c'est le basketteur. C'est qui? J'ai trop dit. Il y a beaucoup de références qui vont te balancer, là, je te le dis. Donc, je vais faire un truc un peu spécial, car c'est la première fois de ma vie que je vais faire ça. Je vais faire un cosplay en duo, du coup, avec Lilith Senpai 1. Donc son pseudo s'affichera évidemment sur l'écran à ce moment-là. Comme ça, vous pourrez aller voir son contenu et ce qu'elle propose. Et si vous aimez le cosplay en général, ben, je pense que c'est la bonne personne à aller voir. Donc mon partenaire pour ce duo, donc on a choisi de faire un cosplay. Vous allez voir, je vais pas vous dire de suite finalement. Je vais vous garder un peu la surprise, mais sachez un truc, c'est que... Ça va être animalier. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve demain matin à 6h30 au réveil pour montrer la préparation, sachant que ma valise est déjà faite, la sienne aussi. Et le petit voyage pour aller jusqu'au train et du train pour aller jusqu'à la convention. C'est bon, tu veux couper. C'est maintenant que j'arrête la musique de Wii Sports sur le blog. Si, c'est des ciseaux qui sont faits pour. On est en train de partir en ASMR. Pas moi. Je suis tout seul. Oui. Attends. Attends. Enfin, je récupère. Encore un peu. Oui, encore un petit peu. Parce que j'ai récupéré zéro cheveux là. Je vais me balader dans le train avec ça. C'est ce qui est pas du tout voyant. Vous faites quoi? Un vlog? Ça se voit pas, enculé. Un vlog. J'aime les vlogs. Cool, cool, cool l'animation. Cool, cool, cool. Alors là, en fait, ce que je fais, c'est que je désépaissis les cheveux petit à petit, comme ça. Hop, je fais des trucs dangereux. Hop, je fais des trucs dangereux. Hop, je fais encore un truc dangereux. Hop. Est-ce que tu peux en lâcher un « Je suis Kira » ? Je suis Kira ! Je vais dominer le monde, sale pute. Quoi ? Mon dieu, mais mon dieu. Est-ce que je fais genre comme ça, genre ? Fais voir. Anyway, c'est... Est-ce que vraiment je fais ça comme ça et genre je laisse deux petits boudins là comme ça ? Deux petits boudins là comme ça ? Vraiment, je vais genre comme ça. Ou sinon, je le raccourcis encore. À voir. À voir. À voir. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur ? Que je laisse deux petites franges, genre que je laisse deux petites mèches avec les grandes mèches comme ça, et que je mette ça comme ceci, genre ? Je fais ça comme ça, genre ? Ben, faites voir. Essayez de la séparer en deux pour voir. Mais genre un tout petit peu, genre pas quand ça vous retombe sur les yeux. Nénénén, moi je suis rousse, né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 n
sur ça. Hein? Je m'améliore sur ça. Mais j'espère bien que tu t'améliores, sans déconner. Tu es en train de me faire une superbe... Je ne dirai pas le nom, parce que je ne peux pas.
Ça y est, il est 6h30. Pas de micro, la flemme de le brancher. C'était un argument, on s'en va. Coucou. C'est parti. Il est 6h40, la bonne nouvelle vient de tomber. Tu m'as qualifié de cosplayer. Voilà, ça y est, officiellement je rentre dans ce monde. Ça marche. Oui, oui, baguette. Oui, oui, baguette. Alors, on est dans le train. Je suis complètement crevée, la vie. Ça fait pitié un peu, non? Vraiment le bug de la haine. Je lis ça pour tous les amateurs. Faut pas le défaire. Non, sans commentaire. Tu n'as pas intérêt à décrire ce livre, la vie. Ah bah tu sais quoi, il y aura tout ce qui se passe. Oh mon dieu, la honte. Du coup, on est arrivé dans à peu près une trentaine de minutes, je dirais. Peut-être un peu plus. Une quarantaine de minutes. Voilà, après on va aller directement sur notre lieu d'habitation pour ce week-end. Puis nous allons nous préparer pour ensuite aller à la convention et préparer notre petit défilé cosplay. Et puis voilà, c'est cool. Et on va avoir un shooting photo. Du coup, on va avoir des photos du feu de Dieu. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Je vais peut-être même shoot Yuji, mais pas sûr. Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen, mais c'est pas sûr. À voir. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Je suis crevée, mais je suis trop contente. Vas-y, on s'est couché trop tard hier. Ça y est, fin du voyage en train. On va enfin débarquer sur Bastia. On va enfin aller se boire ce coup. On a soif. Je sais pas si ça a bien passé là, je pense. Miam miam, le programme c'est miam miam d'abord. Parce que très fin, poser les objets évidemment à la casse-bar avant. Suite miam miam make-up ville, espace, spot, photo vidéo rentrée, photo montée, post insta, beaucoup post insta et répétition aussi cet après-midi pour Sakura. On va y aller vers 13h30, 14h je crois. Donc ça va être là la partie la plus drôle. Ça y est, ça commence. Je répète, à de suite. Ça y est, on est sur Bastia. Voilà. Donc, maintenant ça ne va pas aller bon. Bon. Veux-tu bien m'expliquer ce que tu fais? Ben là, je suis en train de me make-up. Pour. Aller faire les répétitions et le photoshoot pour Jou. Voilà. J'ai hâte. Je biquerai à ce moment-là parce que je veux vraiment qu'on dévoile les deux cosplays en photoshoot. Oui. Ok. C'est le rush. Ça y est, ça commence. Non, on n'est pas en rush. Non, je sais. Bon, on va maquiller. On va changer de couleur là-haut, vous allez comprendre pourquoi. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Toi, c'était. Je suis en retard. Ouais.
musique était au passage de combien? Mais après, c'est que moi, je travaillais avec la musique qu'elle m'a envoyée. D'accord. Et je crois que... Ah, mais vous n'avez pas défini de temps de passage? Non. Chaque cosplayer. C'est maximum 4 minutes. Mais c'est trop. C'est 4 minutes. Non. Je pense que du passage du minute. Ouais. Bon. Vous m'énervez! Je suis énervé, là! Vous avez affaire à un homme en colère, là! Bon, ben malheureusement là mon micro a décidé de me lâcher totalement dans la voiture. Donc malgré les tentatives de réparage audio, ben ça n'a pas fonctionné. Donc je profite de cette attente pour faire une petite voix off pour vous dire d'aller suivre le compte de Mortula Cartat, si je le prononce bien, et de Mortula Cosplay, car elle nous a ramené après les répétitions. Et franchement, elle était incroyable. Donc allez la suivre s'il vous plaît. Tant que je suis dans la voix off, ben je tiens à vous dire qu'on a profité aussi du temps de répétition pour faire des photos. Donc un petit shooting photo, je vous mettrai tout en fin de vidéo bien évidemment. Donc on a fait deux endroits, donc le lieu de la convention et aussi on est allé sur une petite plage pas trop loin de la convention. Donc vous allez voir, toutes ces photos seront bien sympathiques et vous les verrez tout à l'heure. Bon, avec Monster, on n'a pas vu depuis très longtemps la vidéo. C'est depuis trop longtemps d'ailleurs. Madame Judy Hobbs, la petite planteuse de carottes. Jour 2. Maintenant on passe au shooting photo, on avait déjà pris tout à l'heure sur la répétition de la convention, quelques vidéos, vous avez pu voir ça avant. Et maintenant, bord de mer, style un peu summer, on va se faire ça. Voilà. Là on met le cosplay vraiment. C'est-à-dire que je dois mettre les lentilles et tout le bordel, donc ça va être assez drôle à voir. Ma collègue est en train de... Oui. Ah mais tiens, elle est là. Vas-y, rentre, je vais fermer juste pour parler là. 1 Tu sais ce qui va se passer là? J'ai des lentilles à mettre. Des lentilles de contact. Sous le nom de Lilith Cosplay 1, c'est parti! C'est parti! C'est cringe de ouf là! C'est parti! Mais le but c'est de voir le changement! Ou sinon, viens, on. Mamie, il n'y a pas de bêtisier! Attends, vas-y! Fais gaffe, t'es bien! Ça me fait menacer là! Bon, ouais. Ah, vous voyez pas, en vrai, je suis peut-être tout nu, vous savez pas. Pourquoi tu tires la gueule comme ça, là? C'était tout nu! Ah oui, c'est vrai. Déguis-nous à l'air. Je sais qu'on est amis, mais on n'est pas assez proches pour que je fasse ça. C'est bon, je comprends. Le meilleur que j'ai jamais vu. Ces gens-là. C'est parfait pour un moment sombre. Oh. Try everything. I keep on making every day. Alors soit tu mets de la musique, Manu. Soit je te défonce. Défonce-moi la gueule.
C'est à ce moment que Momo a su, il s'est viandé. Attends, avec un peu de chance. Maman! Ah non, je les ai vraiment cassés en deux. Les deux côtés. Non, j'ai mangé. Bonjour, aujourd'hui petit plan pour vous montrer mes lentilles de contact. Alors ce sont des lentilles de contact fashion lentilles. Your eyes in color contact lens. Mon anglais est éclaté, j'en ai rien à foutre. Du coup, mon montage, qu'est-ce que j'ai même fait? Alors aujourd'hui, nous allons les mettre car c'est la journée convention. Du coup, je vais galérer et ça va être giga marrant. Autant je me perce un œil aujourd'hui. Ouais. Allez, on y va, venez. Bah, dites-moi surtout en commentaire si ma démarche n'est pas naturelle. N'hésitez pas. Putain, vraiment, ça m'a frosté, là. C'est vraiment un moment où je vais en chier. Oui. Je vais penser quoi mes moustaches d'ailleurs. Ils sont sexy ou pas? Hercule poivre. Hercule poivre. Bon, Tourne-toi. Moi j'ai Gainsbourg, tu vois. Je vous parle de 20 ans, paye-moi le 20 ans. Non, ça c'est pas bien, c'est Aznavour. Gainsbourg était plutôt. Allez, je vais te allumez le feu. Non, toujours pas. Non, mais c'est pas lui qui a fait assez dommage. Eh, je crois, peut-être. Hein. J'ai très peur. Faut pas avoir peur. C'est nénère. Non, je vais juste mettre quelque chose dans mon œil. C'est qu'une mauvaise expérience. Je vais juste mettre quelque chose dans mon œil. Et c'est une mauvaise expérience. Okay. Attends, parce que on m'a dit qu'elle se différenciait. Déjà, c'est les. Sachez-le, c'est les lentilles de Hulk. Et alors Hulk. Que j'incarne Nick Wade. Vraiment les deux persos les plus à l'opposé possible. Ah, regarde, on s'est compris. Ça y est, c'est bon, tu as réussi. Mais il n'y a pas que lentille toujours avec les dents. Fais gaffe de pas la percer alors. Oh putain. Putain, ça. Non. Je peux pas t'aider là pour moi. Tu peux pas aider ton éleveur en vrai lentille. Let's get ready for cosplay. Bon, mesdames et messieurs, à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver. Même, on était venus en convention, en cosplay. À la base, on devait tout simplement faire le défilé que vous verrez évidemment après cette petite parenthèse. Donc, on prend la parole vite fait pour vous dire que malheureusement, on n'a pas pu filmer vraiment grand-chose de la convention parce qu'on était vraiment tête dedans. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement, c'était vraiment dingue. C'était une expérience folle. Je ne pensais pas. Enfin, franchement, tout ce qui allait arriver par derrière, on s'y imaginait pas, même pas une seconde, on pouvait s'imaginer ce qui allait se passer. C'est-à-dire que du côté de mon cosplay, bah, du coup, moi, j'avais un rôle un peu bizarre, c'est-à-dire que je m'amusais à coller des amendes. Donc j'étais vraiment dans mon rôle et du coup, j'avais tout le monde qui me suivait pour avoir une amende. J'essaierai de vous mettre des photos à ce moment-là de tout ça. Et pour notre Judy, bah, en fait, dès qu'elle est descendue avec moi, et surtout elle, elle s'est fait canarder de photos, mais quand on dit canarder de photos, c'est un truc de dingue et du coup on va mettre ça maintenant. Évidemment, ça aurait été mieux si j'avais la barbe orange, mais on va quand même faire les petites flaffes là. Et on va les finir à la laque, ça aurait été mieux comme ça. Et j'adore les ensuite, c'est trop bien. Attention! Go!
chers amis, je veux faire une ovation pour les cosplayers, s'il vous plaît. Sans réseau, ça va arriver. Est-ce que ça vous a plu, les amis? C'est génial quand même. Hein, je vous ai défendu et vous m'avez menti. Sale menteur! C'est ça fait. Ça s'appelle une arnaque, Trésor. Et c'est pas moi le menteur, c'est lui. Hé hey! Pas si vite, je vous arrête. Ah oui? Pourquoi? À votre avis, contrebande de glace, ça vous parle? Transport de marchandises non déclarées d'un quartier à l'autre, publicité mensongère? Autorisation reçue du registre du commerce. Et je n'ai pas fait de pub mensongère. Dit que le bois des bâtons venait de bâtons rouges. Pas du tout. Je lui ai dit, ce sont des bâtons rouges, c'est leur couleur. Dis-moi si cette histoire te dit quelque chose. Une naïve paysanne avec de bonnes notes et de grandes idées se dit, hey, regardez-moi, je vais m'installer à Zootopie, où prédateurs et proies vivent en harmonie et chantent l'amitié, l'amour et la joie. Sauf qu'en fait, dommage, on s'entend pas tous bien. Et ce rêve de devenir policier dans la grande ville, redommage. Elle met des PV et trois fois dommage, personne ne s'intéresse à elle ni à ses rêves. Et rapidement, ses rêves meurent et notre lapin sombre dans une misère morale et matérielle, vit dans un carton sous un pont et n'a finalement plus d'autre choix que de rentrer au pays, sa jolie petite queue en fourrure entre les pattes pour devenir... Tu es de Lapinville, c'est ce que tu as dit? Eh bien, planteuse de carottes. C'est à peu près ça? Hé, hé!
personne n'a à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Et certainement pas un idiot qui n'a jamais eu le courage d'essayer de faire un peu mieux que contrebandier de glace à l'eau. Bon, alors écoute. Tout un chacun débarque à Zootopie en croyant qu'il pourra devenir ce qu'il veut. Bah, c'est pas vrai. On peut seulement devenir ce qu'on est. Renard malin, lapin crétin. Je suis pas un lapin crétin. Bah tiens. Et ça, c'est pas du ciment. C'est très important, monsieur. Je pense que vos 10 dollars de glace à l'eau devront attendre. Je me fais 200 dollars en une journée, peluche. 365 jours par an depuis que j'ai 12 ans. Le temps, c'est de l'argent. Allez, pousse-toi. Regardez cette photo, s'il vous plaît. Vous avez vendu une glace à monsieur Otterton, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Je connais tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Alors je crois qu'il est temps pour toi de retourner à tes parcs-mètres et mieux encore à tes carottes. Bien. Alors employons la manière forte. Tu viens de saboter ma poussette? Nicolas Wilde, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Pour t'avoir vexé? Non, pour fraude fiscale. Eh oui, 200 dollars par jour multiplié par 365 jours par an depuis que vous avez 12 ans, disons deux décennies de fin, ce qui nous fait 1 460 000 dollars, je crois. Enfin, je suis pas un lapin très malin, mais on est doué en multiplication. Bref, sur votre déclaration, vous avez porté la somme de, voyons voir, zéro. Oh, c'est vraiment pas de chance, mais mentir sur un papier officiel est une infraction passible d'une peine de 5 ans de prison. Ouais, c'est ma parole contre la tienne. 200 dollars en une journée, peluche. 365 jours par an depuis que j'ai 12 ans. En fait, c'est votre parole contre la vôtre. Et si vous voulez ce stylo, il va falloir m'aider à retrouver cette pauvre loutre disparue. Sinon, vous pourrez toujours vendre vos glaces en prison pendant la promenade. Ça s'appelle une carotte, trésor. Attendez, vous devriez interroger sa prof de yoga. Ça me ferait plaisir de vous la présenter, d'ailleurs. Merci infiniment, c'est très gentil à vous. Ça va beaucoup nous aider. Ah, il est tout nu. Hein? Bah oui, on a un club de naturistes, on n'est pas des... Ouais, à Zootopie, chacun peut être ce qu'il veut. Ces gens-là peuvent être nus. Allez, suivez-moi. L'anguille est de l'autre côté du bassin des plaisirs. Eh, bonne idée. Est-ce que ce genre de choses te met à l'aise? Parce que si c'est le cas, il n'y a aucune honte à s'en aller. C'est vous qui me faites honte. Voilà, tout encourageant. Le conducteur ou c'est uniquement toi? Oups, désolé. Lapin malin. Renard crétin. Tu sais que t'es folle de moi. Est-ce que je le sais? Ouais. Oui, je le sais. Bon, suite à ça, on a eu beaucoup de mal à prendre des vidéos, comme je vous expliquais un petit peu avant. Donc, à partir de ce moment-là, je vous mettrai un maximum de photos et tout, et je reprendrai la voix un tout petit peu plus tard pour les remerciements et l'outro de cette vidéo. Voilà, donc vous pourrez retrouver notre
jeudi. Voilà. Et un nouveau cosplay. Voilà, voilà. Et celui-là, on ne dit pas. Mais t'as encore changé de cosplay ou je rêve? Non, attends, viens, s'il te plaît, viens. Viens, en fait, tu as filmé. Non, parce que je lui ai mis sur son amende. Tu vas pas dans le bloc comme ça, c'est bien. Tu vois bien. J'ai décrit qu'elle avait le meilleur cosplay de la soirée pour moi. C'est incroyable. Et elle a le bébé dans sa tête. Voilà. Bon, allez, merci d'avoir suivi le petit vlog et d'être sur YouTube.